Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est de retour dehors, ce qui signifie que le printemps et l'été arrivent. C'est pour ça que je reviens pour faire une vidéo que j'avais faite tout au début de ma chaîne et moi que j'adore regarder. C'est une présentation d'une collection de maillots de bain. Donc voilà, c'est tous les maillots de bain que je possède. Donc ce sont des prix qui sont à chaque fois tout à fait raisonnables. J'ai pas des maillots de bain à 100-150 euros, pas du tout. C'est vraiment des choses qu'on peut trouver et qui sont assez simples. Et là, je les ai tous devant moi. Je me rends compte qu'il y en a quand même des pas mal colorés. Donc on commence tout de suite. Bon bah, on va prendre le premier avec celui-ci qui vient de chez Etam, donc qui est super joli, moi je l'adore. Il est, comme vous voyez, gris avec des points noirs. En fait à la base il était blanc et il a un peu viré au gris, donc voilà, maintenant je dis qu'il est gris, voilà. Donc il a une lanière donc qui s'attache derrière le dos. Donc ensuite il y a une culotte qui est vraiment toute simple pour aller avec. Et derrière en fait ce qui est joli c'est qu'elle est, vous voyez qu'il y a un petit rond. Donc ce qui fait qu'elle est un petit peu plus originale et j'adore vraiment ce maillot de bain. Ça fait plusieurs années que je l'ai, il n'a absolument pas bougé. Ensuite j'ai ce haut de maillot de bain que j'ai pas encore mis parce que je l'ai acheté cette année. Et il vient de chez, du site Pomme Poire, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Donc il est comme ceci et vous voyez, j'aime bien ce genre de maillot de bain. Donc là ce sont des bretelles droites et il est beaucoup plus coloré, beaucoup plus peps. Donc il est un peu fluo, violet, rose et tout ça, et il est vraiment joli et j'aime l'effet croisé qu'il y a devant. Et vous allez voir que j'en ai pas mal dans cette forme là. Donc avec, vu qu'il est quand même assez flashy et que c'est pas que j'assume pas de mettre du flashy, mais bon voilà, j'ai juste acheté un petit bas que j'avais acheté chez Kiabi à 3 euros, un bas tout simple noir que je peux mettre avec tous mes maillots de bain que j'emmène systématiquement. C'est très souvent que je mets ça avec le noir également. Donc ensuite j'ai celui-ci qui vient de la marque Rouge Gorge, ça s'appelle. Donc voilà, il est comme ceci et celui-ci pareil, je l'ai depuis 3 ans maintenant et il tient tellement bien. Ce sont des maillots de bain qui coûtent à peu près 50 ou 60 euros l'ensemble et qui durent mais une éternité. Et vous voyez, il est rose fluo aussi et il est drapé devant et c'est ça qui est magnifique. Les bretelles sont pareil droites et pas, pas qui s'enroulent autour du cou, et il est vraiment joli. Et le bas est, est vraiment magnifique, il est rose aussi et vous voyez, il est croisé devant et il est mais... il est super. Donc après là à l'intérieur il est, c'est tout blanc donc ça ressort pas forcément, mais c'est vraiment très 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 joli et j'adore le porter et j'adore faire des ensembles en fait. Celui-ci avec le rose j'aime beaucoup. Ensuite j'ai celui-ci que j'avais acheté sur un marché, donc je crois que j'avais dû le payer genre 15 euros l'ensemble. Et c'est un bandeau, donc il est très joli aussi, il est bleu, vraiment bleu roi avec des petits points blancs et bleus ici. Et donc ça s'attache juste comme ça et ça s'attache derrière. Et en bas, je le mets un petit peu moins parce qu'il m'est un peu trop petit, enfin ça va, je peux le mettre mais voilà. C'est une sorte de petit shorty qui est vraiment joli aussi avec des petits points qui rappellent. Et ça bah, c'est exactement pareil, c'est très souvent que je mets ce haut avec le bas noir, surtout pour bronzer, j'adore mettre ce maillot de bain là. Ensuite j'ai mon chouchou de tous les temps qui vient de chez Etam aussi et qui est magnifique, c'est mon maillot de bain de l'année dernière. Il est donc comme ceci, donc ça c'est, il a des bretelles lui qui viennent dans le dos. Enfin derrière le cou, et il est très 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 beau, vous voyez les petits détails, il est pas le même bleu que celui-ci, il est un peu plus foncé, il est un peu plus bleu marine avec des petits détails blancs et il est mais sublime. Et le bas est tout simple, donc c'est une culotte vraiment toute simple comme ceci et c'est vraiment mon maillot de bain favori. Donc pareil, je crois qu'il a coûté dans les 50 euros mais c'est vraiment de la très bonne qualité. Ensuite j'ai un petit peu plus simple qui est comme ceci, qui fait un petit peu effet princesse. Qui est rose poudré et donc pareil qui s'attache derrière la nuque et qui est vraiment vraiment très sympa. Je l'avais acheté sur internet, je sais plus trop chez qui, Jérôme Mouy il me semble, il y a assez longtemps, et qui est vraiment sympa. Et donc pour le bas il se présente comme ceci, j'adore la porter, vous voyez qu'il y a un bandeau avec un petit bijou comme ceci et je trouve ça magnifique l'ensemble. Ça fait un petit peu princesse cette couleur mais quand on est bronzé il est vraiment très très joli.
Et le dernier, que pareil, jamais je porte l'ensemble en entier de la même couleur parce qu'il est vraiment très 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 flashy. Mais c'est ce maillot de bain là, je vais essayer de vous le présenter pour qu'il soit joli. Donc il est vert fluo et ça me ressemble genre tellement pas, mais il est tellement joli. Et vous voyez en fait, donc ça c'est indépendant, mais il se met derrière la nuque et donc ça fait une sorte de forme de coquillage, j'ai l'impression. Et c'est vraiment joli avec un petit nœud devant. Et en bas, c'est une culotte toute simple avec des nœuds sur les côtés. J'aime bien les culottes où il y a les nœuds sur les côtés pour l'été, je trouve ça mignon. Et généralement, pareil, ce haut là, je le mets avec un bas noir parce que j'assume pas de me promener avec un truc fluo comme ça. Mais c'est vrai que ces maillots de bain, celui-ci et le rose, je les mets plus pour bronzer chez moi que à la plage et tout ça. C'est vrai que mes favoris, c'est plus celui-ci et celui-ci que je mets à la plage en priorité. Donc voilà pour mes maillots de bain, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans la barre de commentaires si vous avez un favori parmi ceux que j'ai présentés et si vous avez des bonnes adresses de maillots de bain, si vous en avez acheté un cette année, dites-moi tout en commentaire. Mais je vous fais à tous de très 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 gros bisous, j'espère qu'on se retrouvera vite dans ce décor-là très bientôt. Bisous !